Est-ce que vous êtes déprimé? Non. Un peu. C'est glauque, c'est glauque. C'est hyper glauque. Bonsoir, on s'appelle les clopes. Cool. Nous sommes dans une dépression totale. Durant 3 fois 15 minutes, nous allons vous parler de dépression. Approchez-vous, déprimons ensemble, s'il vous plaît. Ça va être glauque, ça va être morbide, ça va être affreux. Approchez-vous, ça va être triste, ça va être épouvantable. Venez, venez, venez dans le cimetière. C'est important. Venez, nous sommes lavés ce matin. On sent le savon. Un peu. Et le tabac. Et le cassoulet. Et le fromage qui est onctueux dans votre pays, il est vrai. Nous nous appelons les clopes. Le vrai morceau s'appelle Prologue. Nous avons besoin d'une grosse ambiance de gens tristes. Ce n'est pas assez triste. Voici Prologue. Nous nous appelons les clopes. 1, 2, 3 et 4. Bonsoir. Venez déprimer. Il y a des gens qui arrivent. On va leur redire bonsoir. On s'appelle les clopes. Venez déprimer avec nous. Voici le prologue. Et 1, 2, 3 et 4. Êtes-vous déprimé? Vraiment? Je suis déprimé.
acheter des cigarettes et le tabac est fermé. C'est très difficile. Oulala, c'est carré pour la panique. Il faut aussi que je pense à acheter des allumés et aussi des chewing-gums et aussi un Twix. Car oui, voilà, je fume des clopes dans un locaux-store parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un locaux-store parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un locaux-store parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un locaux-store parce que je suis déprimé. Oulala, combien j'ai sur moi, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas assez de monnaie. Alors il faut que j'aille en retirer au distributeur automatique. Oulala, c'est carrément la panique. Il faut aussi que je pense à tout plein de trucs. Non, combien j'ai sur moi, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas assez de monnaie. Que j'aille en retirer au distributeur automatique. Je l'ai déjà dit avant, maintenant ça me revient, mais on va faire la suite de la chanson. Après tout, il reste 40 minutes de spectacle, il faut qu'on aille un peu vite. Mais bon, et c'est aussi improvisé aussi. Aussi. Comment ? Ouais ! Oulala, c'est carrément la panique. Où est-ce que j'ai mis ma carte bleue ? Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas. Voilà, la conclusion épileptique et pourtant fascinante du monsieur là, c'est que c'est comme ça. Car oui, voilà, je fume des clopes dans un locaux-store parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un locaux-store parce que je suis déprimé. Thank you.
qui se déroule à Rennes. Rue de Pénouette. Virginie, tu sais, j'ai apprécié l'autre soir, rue de Pénouette, quand on s'est embrassé. Rentre dans la fourmi et la tue. Puis il grandit
et tel un marionnettiste, il fait bouger la fourmi. Qui dit « Ah, ce n'est pas moi, je suis morte depuis longtemps !» Tout ça était vrai. Allez sur Wikipédia. C'est épouvantable. C'est la découverte de ce matin. Avec les clopeux, on a vu cette image, on a vomi. Notre avenir, je me demande, est-ce que c'est judicieusement quelques secondes de fumer comme ça, aux échos, d'allumer le gaz. C'est pas Jackson Pollock, ni la Joconde, de qui ces vagues d'art, elles sont si bonnes. Prenons-nous pour du fou, des zombies, des kamikazes. Marionnettise comme n'importe quel marionnettiste l'a fait monter ensuite aux arbres pour qu'elle fasse toutes sortes de choses étranges, comme par exemple de la promotion en plein milieu d'une chanson. Car oui, Daniel Bruel n'est pas seulement guitariste des clubs, c'est également une personnalité du sentier dans le deuxième arrondissement de Paris et qui propose ce genre de produit. Il s'agit d'un t-shirt avec marqué « Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé absolument ». C'est un t-shirt qu'il vend, lui. Vous pouvez aller le voir, dire Daniel. 20. 20 direct. Parce qu'en fait, moi, je fais pas du vin. C'est 20 euros, d'accord. Vous avez du S, parce que moi, ça me boutine un peu. J'ai S, M, L, XL, double XL. Tout à l'heure, vous en achèterez peut-être. Cash, PayPal, Lydia, Germain, moi, quand même. Et des rillettes aussi. Riette. Daniel se fait payer en rillettes et ça nous donne l'occasion d'une deuxième réclame après la page de pub suivante. Voilà. Demain sort notre troisième album. Il s'appelle 3. T-R-O-A. En réalité, il sort à minuit sur les plateformes. En réalité, il est déjà sur Bandcamp. Mais bientôt arrivera le vinyle et le CD. Tout ça pour vous dire que ce soir, nous n'en jouerons peut-être pas de nouvelles. Parce que nous n'avons pas peut-être assez de temps, ou peut-être parce qu'on ne se connaît pas encore assez. Finalement, le contact, quand on est arrivé, il était peut-être pas assez morbide. Mais vous vous rattraperez peut-être dans les chansons d'après pour faire des zombies fourmis, on l'espère, en étant très, très malheureux, très triste et en pleurant. Êtes-vous d'accord pour pleurer ? Notre avenir est son, je me demande. Est-ce que c'est judicieux en quelques secondes de fumer comme ça tombe aussi beau d'allumer le gaz. C'est pas Jackson Pollock ni la Joconde, donc ces vagues d'art elles sont si bonnes. Prenons-nous pour des fous, des zombies, des kamikazes et Daniel. We'll be right back.
Thank you.
s'appelle les clopes. Voici notre chanson, elle s'appelle Bruit des cimetières extraterrestres, des donjons, des saucisses, des cimetières extraterrestres, des donjons et des saucisses, des cimetières extraterrestres, des donjons et des saucisses, des cimetières extraterrestres. Toi aussi, viens dans le manège. Attends debout, arrosé. Des cimetières extraterrestres, des donjons et des saucisses, des cimetières extraterrestres et beaucoup de bruit. C'est un portefeuille nazi. Il nous cache des choses, ce gentil bonhomme. Ce ne sera peut-être pas notre ami, on ne sait pas. À moins qu'il ait des chewing-gums, à moins qu'il ait des chewing-gums, à moins qu'il ait des chewing-gums et qu'il ait des saucisses, à moins qu'il ait des chewing-gums. Ou alors du pâté. Ou des zombies, fourmis, champignons. Avec un air comme ça emprunté, ça peut appeler les bonnes heures des cabarets parisiens. Le zombie, champignons, fourmis, que sais-je. Mais en réalité, c'est une fin de spectacle pour bientôt. Celui de l'éclope, notre orchestre de chansons morbides. De chansons new et morbides. Oui, c'est terminé. Alors, nous avons un épilogue. Nous allons le chanter, juste pour terminer. Et vous rappelez que des t-shirts sont à vendre, c'est vrai. Mais également, et ce coup-ci avec une voix radiophonique, un brin suave. À minuit sur iTunes et Spotify et toutes sortes de plateformes, vous pourrez entendre notre nouvel album, il s'appelle 3. Exactement.
Ce soir, il nous manque deux membres qui n'ont pas pu s'exprimer mais qui ont de belles chansons aussi à proposer parfois. Vous les écouterez directement chez vous si vous avez envie. Le groupe s'appelle Les Clopes, mais vous pouvez le prononcer Les Clopes si vous avez envie. Car certains le prononcent comme ça et ça donne quelque chose d'un peu plus pimenté, un peu sympa. Les Clopes, moins morbide, plus cha-cha-cha. Et nous allons partir car ce spectacle, qui ne s'est déroulé sans aucune cette liste, eh bien nous ne savons pas où nous en sommes. Romain, notre sonorisateur, c'est absolument faux, c'est le sonorisateur d'ici, mais on va dire que c'est à nous, parce que comme ça, ça fait genre, on l'a engagé cher. Très très cher. Il était avec Sting en tournée et il a dit non, c'est Les Clopes plutôt. Alors, ce personnage romain nous a fait un son. Personnellement, j'ai trouvé hyper kiffant. Et vous, je pense, Les Clopes? Oui. Bien, hein. Dans le bas, il y avait un certain déprimant. Déprimant, complètement déprimant. Oui, c'était très bien. C'était bien, hein, son son. C'est vrai. J'ai bien aimé. T'as bien aimé aussi son son. Ouais, carrément. Alors, bon, il y avait Garda Glockenspiel à la basse hein, ce soir. Voilà. Il y avait Daniel Brumeux à la guitare. Voilà. Ah, il y a un moment, voilà. C'est bon, il y avait Alain Chambrefort, hein, au clavier, oui, c'est. Voilà. Il est là aussi, c'est ça. Il est là ce soir également. Et puis personne ne me présente, car personne n'est même dans Les Clopes. Hein, Guillaume Patrick. C'est Guillaume Patrick, j'ai. Comme Guillaume, hein, ton cousin. Alors, restons sérieux 5 minutes. Romain. Combien de temps nous reste-t-il pour nous exprimer de façon artistique? 10 minutes. 10 minutes. Ah, merde. Ok. Alors, en 10 minutes, nous allons faire notre épilogue. Encore que c'est pas obligé. Que ça vous fait marrer de le faire ou pas? Pas vraiment, allez, non. Allez, ah, c'est vrai, tu veux l'épilogue? Bah ouais, allez, l'épilogue. Bon, il ressemble à s'y méprendre au prologue, pour ceux qui étaient là. Ce qui permet une certaine forme de récompense pour tous ceux qui étaient là dès le début. On va le faire vite, comme ça, après on va sortir de scène en étant extrêmement hautain. Et là vous allez dire, putain, ils sont complètement... Et alors là, à ce moment-là, c'est ça qu'on va faire. Et à ce moment-là, hop, soudain la poitrine se coupe grâce à Romain, parce que nous on pourra pas le faire fatalement vu qu'on sera là, en train de tirer la gueule. Et là, de façon à laquelle on s'attendrait pas du tout, vous allez nous faire un rappel, par exemple. Et là... Okay. Et là on jouera pas. Voilà, on verra. Alors, 1, 2, 3, 4... Ça tombe bien qu'il reste du temps car il y avait des gens qui sont arrivés un peu tard, on a vachement envie de leur jouer toutes les chansons d'un coup. Allons-y Romain, voyons voir ce que ça donne. On en fait 5 à la fois. Romain. Eh voilà, un résumé du concert en 3 secondes. Alors, en réalité, nous avons oublié de présenter Roland, notre batteur. Il est là.
Il donne des rythmes si on appuie dessus, et si on éteint, il donne plus le rythme. Celle-ci, c'est le rythme de « Je fume des clopes dans un blocos nord parce que je suis déprimé ». Voulez-vous l'entendre ? Nous allons vous la chanter dans une version un peu différente. Combien j'ai sur moi, je ne sais pas, peut-être. Non, peut-être pas cette version-là. Comme ça, peut-être. Tout simplement, mais des fois on va se marrer à improviser un peu. Et après
Je dois y aller, il y a d'autres gens qui jouent après. Merci beaucoup, le Mistral Palace, c'est tout et tout. Au revoir.